Bienvenue dans le Flash Info sur RTI1. Bonjour à vous. À Abidjan, depuis hier vendredi, pour une visite officielle de 2 jours, Shinzo Abe, le premier ministre japonais, a salué le redressement de l'économie ivoirienne sous le président Alassane Ouattara. Il a annoncé plus de 43 milliards de francs CFA d'aide à la Côte d'Ivoire. Une visite historique, la première qu'un premier ministre japonais entreprend en Côte d'Ivoire. Une visite sans nul doute en réponse à celle que le président de la République Alassane Ouattara a effectuée en juin de l'année dernière dans le cadre de la TICAD 5, entendez la 5e édition des rencontres entre le Japon et les pays africains. Pour le président de la République Alassane Ouattara, cette visite du premier ministre japonais en Côte d'Ivoire est essentielle en ce sens qu'elle va permettre de renforcer les relations entre les deux pays, notamment en termes d'investissement. Et en la matière, la Côte d'Ivoire, selon le chef de l'État, constitue un environnement propice aux affaires. Le pays avance, attire les investissements, les organisations internationales, mais également donc les hommes d'affaires. Pour nous, l'investissement privé japonais est essentiel. Nous connaissons la qualité des entreprises japonaises, la compétitivité des entreprises, et je voudrais me féliciter des visites qui ont été faites encore récemment par les entreprises japonaises. Et je sais qu'ils ont trouvé un accueil favorable. Ils m'ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été rassurés de ce qu'ils ont entendu et des contacts qu'ils ont eus avec les membres du gouvernement. Et au vu de tout cela, nous avons donc une perspective de faire en sorte que ce soit une opération gagnant-gagnant pour les entreprises japonaises et pour la Côte d'Ivoire. Le premier ministre japonais, pour sa part, s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé. Il a par la suite présenté des membres de sa délégation, la plupart des chefs d'entreprise qui ont tous indiqué être heureux de séjourner en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Ce premier jour de visite a donc été marqué par un tête-à-tête entre le président ivoirien et le premier ministre japonais. Ce samedi, dès 8h30, le premier ministre japonais et son homologue ivoirien ont visité le centre Marie et Jeunie de Cocody, un centre qui accueille des filles déscolarisées. Ensuite, le palais des sports de Trècheville, et tout à l'heure à 11h, le premier ministre du Japon va quitter la Côte d'Ivoire. Shinzo Abe poursuit sa tournée africaine de 4 jours. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et celle du Japon, Mme Aki Abe, ont visité l'orphelinat de Bingerville, en plus de nombreux dons en nature et en espèces. Elles ont apporté leur soutien physique et moral à ces enfants orphelins ou abandonnés. La démission du président par intérim Michel Djotodia a été accueillie vendredi à Bangui par des scènes de l'IS. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues pour manifester leur joie. Des scènes de joie également à l'aéroport international de Bangui, transformé en camp protégé par l'armée française, dans lequel se trouvent quelques 100 000 réfugiés chrétiens. Mais dans le même temps, des tirs ont été entendus, faisant craindre à nouveau des violences. La ville de Bentiu, dans le nord du Sud-Soudan, a été reprise par l'armée des mains de la rébellion. Cette ville concentre la plupart des puits de pétrole du pays. Le chef de la rébellion sud-soudanaise, l'ex-vice-président Riek Machar, a reconnu la perte de la ville, mais il a promis de poursuivre son combat contre son rival, le président Salva Kiir. Addis Abeba, en Éthiopie, les pourparlers visant un cessez-le-feu semblent piétiner. Le gouvernement de Salva Kiir apparaît confiant sur l'avancée des négociations. Mais du côté des rebelles, ils exigent la libération immédiate de 11 proches de Riek Machar en échange d'un arrêt des hostilités. Et c'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI1.